Je vous propose qu'on on démarre. Euh, donc, au nom de la collective des Amandes de Californie, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Je suis Nathalie Bernard je représente la collective. Euh, les petits cadeaux qui vous ont été déposés sur les chaises viennent de l'Union professionnelle belge, que vous remercierez. Ce ne sont pas les amendes. Voilà. Euh, un petit mot pour vous dire que je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir Myriam Grundy, chercheuse à l'INRAE. Et le docteur Arnaud Cocolle, médecin nutritionniste, ancien praticien attaché à la pitié salpêtrière, qui nous font le plaisir de partager leurs connaissances avec vous aujourd'hui. Myriam Grundy va vous révéler le fruit de ses recherches et notamment les spécificités de la structure des amandes, graines et végétaux et leur impact sur l'absorption des lipides et des calories. Et le docteur Cocolle dressera le paysage des avantages nutritionnels des amandes au regard des différentes situations rencontrées par vos patients. Euh, il fera également le point sur les différents sujets de recherche euh, qui sont actuellement en cours de développement euh, sur, et, et en cours de publication sur ces différents sujets. Et puis nous laisserons bien sûr la place à vos questions en fin de session. De mon côté, je reste à votre disposition pour toute question qui ne relèverait pas directement de l'expertise euh, de Myriam ou du Dr Cockol. Euh, et puis pour recevoir les boîtes, les amendes si vous en souhaitez. Euh, on ne les aura pas tout de suite, mais ça va venir. Et enfin, je profite de cette introduction pour vous dire que si vous souhaitez recevoir les prochaines études nutrition publiées avec le soutien de la collective ou notre bulletin nutritionnel trimestriel qui fait le point sur la dernière étude en cours, euh, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site amende.fr, euh, rubrique outils du diététicien. Euh, vous avez également un QR code qui a été remis dans vos sacs, euh, qui vous permet de vous inscrire directement. Et enfin, on a également euh, la clé USB qui comporte nos dernières études, un point sur les études publiées euh, au cours des dernières années, qui fait une synthèse en fait de tous les domaines de recherche sur lesquels on se trouve, et ainsi que les prochaines à paraître, et que le docteur Kocole va également évoquer avec vous. Voilà. Eh bien, je laisse la parole à Myriam. Donc, euh, comme Nathalie l'a expliqué, donc je vais vous présenter euh, le travail que j'ai fait pendant ma thèse, donc, qui en fait, montre euh, l'effet de la paroi cellulaire, donc, euh, ce qu'on appelle communément les fibres, sur donc, la bioaccessibilité, bon, je vais définir le terme, et donc l'apport calorique que ça a sur, euh, sur les amandes. Donc, un peu de contexte. Euh, donc, euh, sur votre droite, donc, vous pouvez voir euh, une amande. Et donc cette amande, quand elle est soit euh, traitée de, de façon industrielle, enfin si, elle est, euh, euh, si on en fait de la farine par exemple, ou quand vous la mastiquez, vous vous retrouvez avec des particules. Et ces particules sont faites donc d'un tissu, c'est un tissu végétal qui contient des cellules, différents types de cellules en fonction de où on se trouve dans la dans la graine. Et ces cellules, chaque cellule est entourée d'une paroi cellulaire. C'est ce qui constitue majoritairement les fibres. Et donc et ces cellules peuvent se de deux façons, soit elles auront tendance à se séparer. Donc, ça, c'est très, très peu vu chez l'amande. Elles auront en fait plus tendance à se séparer. Donc, quand on applique une force, donc comme une mastication par exemple, eh ben, les cellules vont se, se briser et le contenu en fait va se libérer. Et tout ce qui n'est pas euh, cassé, tous les nutriments qui ne sont pas digérés vont en fait euh, atteindre le, le colon, où euh, là, il y aura de la fermentation, de la dégradation par euh, la microflore. Donc, euh, c'est connu de, de nos jours que la bioaccessibilité et la digestibilité des nutriments, en particulier des lipides, ont des implications sur les facteurs de risque de maladies cardio-métaboliques, donc tout ce qui est maladie cardiovasculaire et le diabète. Donc, la bioaccessibilité, en fait, c'est un terme qui euh, correspond, comme euh, sa définition, c'est la quantité de nutriments ingérés qui est potentiellement euh, disponible pour la digestion. Donc, l'effet des enzymes et l'absorption dans le tractus euh, gastrointestinal. Donc, vous avez peut-être entendu parler du terme biodisponibilité, qui est un terme beaucoup plus euh, englobant, en fait, qui englobe euh, l'aspect de bioaccessibilité. Mais la biodisponibilité inclut également euh, le métabolisme et comment les nutriments ensuite sont euh, véhiculés dans le sang et pour atteindre les différents tissus où ils vont exercer leur action. Donc La structure des végétaux, et en particulier donc, les fibres, donc ces parois cellulaires, a un impact sur la libération et la digestibilité des nutriments et des lipides en particulier. Donc, en contrôlant la bioaccessibilité des nutriments, il est possible de contrôler la réponse postpendriale. Donc, euh, bon, vous savez ce que ça veut dire, je suis Sur, sur cette audience, je n'ai pas besoin d'expliquer le terme postpendriale et la satiété. Donc les mécanismes d'action. En fait, ma recherche c'est vraiment essayer de comprendre ce qu'est-ce qui se passe euh, au niveau microscopique et macroscopique et voire nanoscopique en fonction de, de ce que j'étudie. Et donc les fibres peuvent influencer donc la digestibilité des nutriments en fonction de différents mécanismes. Donc le premier que je vais vous présenter aujourd'hui c'est l'encapsulation des nutriments. Deuxième, c'est l'augmentation de la viscosité du contenu du tube digestif. Donc, vous avez entendu parler des bêta-glucans, j'en suis sûr. le bêta-glucan, c'est ce qui fait. Donc, on le retrouve dans l'avoine, par exemple. Et quand il est libéré dans le tube digestif, il va en fait augmenter euh, la viscosité du contenu du digesta. Et ça, ça, va avoir différents impacts. Donc, ça va diminuer l'échange de contact entre les enzymes et leurs substrats. Et ils vont également emprisonner. On peut créer de, ce genre de, de réseau. Qui va emprisonner en fait les produits de la digestion et donc empêcher ou ralentir leur, leur absorption. Et il y aura également un délai de transit. Ça va créer euh, euh, plus de matière euh, au niveau du digesteur. Donc il y a également des interactions qui peuvent se faire entre les fibres et les agents de la di digestion. Donc ça peut être les enzymes, les sels biliaires. Et des interactions avec les nutriments eux-mêmes. Donc, on peut, euh, comme vous pouvez voir ici sur la droite, donc ce genre de structures peuvent se créer. En fait, ici, c'est bon, c'est pas de l'amande, hein, c'est de l'avoine, mais c'est un petit peu le même. Donc, euh, on peut imaginer que c'est les fibres qui se sont un peu détériorées, les parois cellulaires, donc qui ont commencé à être dégradées au sein de la pendant la digestion, et et protéines en même temps. Et donc, ça crée ce genre d'amalgame et de réseau. Donc, vous pouvez imaginer que quand ça se circule dans notre tube digestif, c'est plus difficile pour les enzymes également de venir attaquer, par exemple, les protéines qui pourraient se trouver là ou les lipides. Donc, euh, il y a des liaisons également directes qui peuvent se former entre les fibres et, par exemple, les protéines ou l'amidon ou les lipides. Et il y a une interaction également avec la muqueuse intestinale et, finalement, la formation d'amidons résistants. Donc, pour en revenir aux amendes, donc je vais commencer par vous montrer donc, le travail in vitro que j'ai effectué et ensuite in vivo. Donc sur l'in vitro, donc euh, on a fait des expériences de digestibilité et en fait ce qu'on a voulu euh, euh, monitorer, donc euh, suivre, c'est euh, la digestibilité des lipides en utilisant cette petites machines que vous voyez sur la droite. En fait, ce que ça fait, ça mesure le pH. Et en fait, quand les lipides sont digérés, hydrolysés, par la lipase et vont libérer des acides, des acides gras et comme le nom l'indique un acide gras va faire diminuer le pH donc on, a, on arrive à mesurer à suivre en fait le, le niveau de, de digestion avec cet appareil qui maintient le pH à un pH constant en particulier 7 euh, pour le pour modéliser l'intestin euh, l'intestin gral donc on a comparé différents euh, amandes avec différents degrés de bioaccessibilité donc différents structure, si vous voulez, d'intégration de la structure. Donc, on a eu des particules de taille différente, donc avec des proportions de cellules intactes et fracturées différentes. Donc, ici, sur la droite, est-ce que je vais y arriver euh, Non, c'est celui-là. Donc, vous voyez, ici, on a euh, augmenté la taille des particules. Donc, on a sélectionné euh, différentes tailles. Et donc, en, en augmentant la taille, on diminue en fait le niveau, euh, la quantité de cellules qui sont. Brisées et donc euh, différentes proportions de, de nutriments qui sont potentiellement euh, digérables, hydrolysables. On a également euh, séparé nos cellules à partir de, donc, des amandes. Vous voyez en bas ici. Et en fait, là, c'est quand on a une situation où la paroi cellulaire est complètement intacte. Donc, ça sert un peu de contrôle positif ou négatif en fonction de comment vous voyez la chose. Et de l'autre côté, euh, une émulsion faite à partir de lipides d'amandes où là, on a 100% de bioaccessibilité. Et donc, on a regardé cette digestibilité. Donc, ici, on voit que l'émulsion. Elle est pratiquement totalement digestible after, après pardon, une heure de digestion intestinale. Et ensuite, quand, là, on remarque que quand en fait on, on augmente la taille des particules, on observe en fait une diminution de la digestibilité. Donc, euh, la digestibilité à la fin euh, est beaucoup plus basse euh, pour les grosses particules. À part pour les cellules, donc on voit bien que les cellules ont une digestibilité la plus basse. Donc, euh, on a bien démontré ce phénomène d'encapsulation où euh, en fait très peu de lipides sont digérés quand la paroi cellulaire est intacte. Donc on a regardé nos échantillons un peu plus près en microscopie, à différents stades donc, de digestion. Donc une particule mastiquée, donc on voit ici les, les cellules à, à la périphérie de la, de la particule qui sont vides. Donc euh, en fait ce que vous voyez en gris là, ce sont les lipides, la paroi cellulaire étant euh, violette. Et donc à la périphérie, on voit que certaines cellules ont été brisées. Et ces cellules-là, donc, ont été digérées. Enfin, les, les nutriments ont été digérés. Et on voit au cours de la digestion, donc, on, on voit une augmentation de, de cette proportion de, de cellules qui sont qui sont vides. Toutefois, même à la fin de la digestion, on voit quand même une proportion de cellules intactes au cœur de la particule qui n'est pas digérée. Donc, on a voulu explorer ça un petit peu plus en profondeur. Et euh, donc, en fait, on a fait différents types d'observations, en particulier donc, ce que je vais vous montrer là, on a regardé différents types de, de particules, et en utilisant des méthodes de, de microscopie, différents types. Et donc, ici, on a vu, en fait, c'est la même particule, si vous voulez, ce que je vous ai présenté avant, mais on voit bien ici, en fait, euh, les parocellulaires, donc les cellules qui ont été brisées, avec des nutriments qui ont été euh, libérés. Et donc, certains sont encore pas digérés ici. Et donc, si on regarde en profondeur le, le centre de la particule, donc euh, la photo sur la droite, donc on voit en fait euh, les cellules au centre de la particule qui sont encore intactes, avec euh, même les, les, les gouttelettes lipidiques qui sont intactes et les protéines qui, sont, qui apparaissent en, en noir ici. Et donc, euh, donc, elles ne sont pas digérées. Et donc, la paroi cellulaire de l'amande apparaît être perméable aux enzymes digestives. Euh, donc, il faut qu'elle soit rompue pour, pouvoir, pour que les nutriments puissent être digérés. Donc, là, on a fait deux expériences sur les cellules euh, donc euh, cellules séparées d'amandes. Et vous voyez, donc en rouge, ici, c'est les lipides. Et en vert, donc, on, a, on a marqué euh, les enzymes et on a suivi leur diffusion au sein de, de la cellule. Donc, ici, vous voyez la paroi cellulaire en bleu, toujours les lipides en rouge, et les enzymes qui, sont péné qui ont pénétré. Mais cette cellule-là, donc là, si on regarde un échantillon euh, typique, on voit que la majorité des cellules sont quand même intactes, avec le rouge qui est quand même prédominant. Et en fait, il faut que la paracellulaire soit endommagée pour que les, cellules, pour que les lipases puissent pénétrer à l'intérieur de la cellule. Donc voilà ce qu'on a démontré euh, in vitro. Mais ensuite, on voulait voir est-ce que ça se passe exactement de la même façon in vivo. Donc on a fait en fait une étude chez les humains, donc avec euh, des patients avec une héliostomie. Et donc, ça nous a permis de collecter, en fait, euh, le contenu du digesta euh, juste avant le, la phase colonique, donc à la fin euh, de l'intestin grêle. Et donc, on leur a donné deux types de muffins. Donc, euh, comme vous voyez sur la photo, donc euh, des muffins qui contenaient soit de la farine euh, très moulue, très finement d'amandes, soit des particules de 2 mm d'amandes. Et euh, donc, on a effectué euh, différentes analyses. Donc, on a récolté les effluents. On a regardé en fait la quantité de lipides qui euh, restaient, qu'on récupérait. Et on a effectué aussi de la microscopie pour voir euh, s'il y avait des particules d'amande qui restaient intactes et qu'on les récupérait. Et on a fait également des analyses de sang, en particulier euh, les triglycérides. Donc, ici, je vais vous montrer, euh, euh, je ne vais pas tout vous montrer les données, mais juste euh, ce qu'on a donc récupéré dans les effluents. Et donc, entre la farine... Euh, on a récupéré donc 97% des lipides ont été digérés pour la farine, donc la farine a une taille c'est très 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 fin. Euh, c'est assez difficile d'obtenir une, une farine de cette, de cette finesse. Donc on se rend compte que, que la majorité en fait des lipides qui est contenus dans ces particules, donc des particules très très fines est digérée. Donc là c'est ce qu'on a obtenu ici. Et au fil du temps donc on voit c'est très rapide la digestion et euh, on, on récupère très très, très peu de, de matériel. Par contre au niveau des particules simplement 57% des lipides ont été digérés. Et donc on, on le voit là sur la courbe. Et donc euh, ça prend un peu plus de temps. Donc la vidange gastrique est un peu plus lente comme on s'y attendait. Et on récupère donc les particules. Et jusqu'à... Euh, donc là c'est en minutes. Euh, donc en enfin, fait on a mesuré jusqu'à 24 heures après. Et même après 24 heures on récupérait encore des, des particules d'amande. Et donc, quand on suit aussi d'un point de vue lipidique euh, le, le profil sanguin, donc on, on voit également une grosse différence, donc ça, ça se suit, et c'est un peu normal, euh, entre les deux types de, de, de particules d'amande, donc une grosse différence de 61%. Et donc, voilà euh, la microscopie, les particules qu'on a récupérées. Donc, pour la farine, on, a, on récupère quand même des particules, très peu, moins de particules que pour... Euh, que pour le muffin qui contenait des particules de 2 mm. Et on voit que les particules qu'on récupère contiennent euh, beaucoup de lipides qui apparaissent en rouge ici. Et euh, ben, comme pour notre, nos expériences in vitro, donc ça c'est au fil du temps. Hein. Euh, et donc euh, on récupère encore, même après 24 heures, donc c'est les dernières photos F, F1, on récupère encore des particules d'amande. Donc comme, comme avant, on voit que la périphérie, les, les cellules sont... sont vide de lipides, mais au centre, on, on voit qu'il y a encore une proportion non négligeable de lipides qui sont encore encapsulés. Donc, qu'est-ce que ça correspond d'un point de vue calorifique réel Donc, c'est une étude qui a été effectuée chez l'homme par un de nos collègues, professeur Baer, qui, en fait, a regardé l'effet euh, de la transformation euh, de la matrice alimentaire, donc de l'amande en particulier, et sur euh, l'énergie métabolisable. Et en fait, il a remarqué que en fait, les 25% des calories en moins, comparé euh, au mesurement par euh, le facteur, euh, j'ai oublié le nom maintenant, enfin tout ce que vous voyez sur les packaging, quand vous voyez le, les calories, euh, c'est Artwork, je crois, le, le nom du, de cette technique, en fait, qui consiste à brûler votre amande et de mesurer à, après combien d'énergie ou pendant combien d'énergie est libérée. Euh, pendant cette, cette mesure, mais en fait, euh, bah là, on se rend compte que chez les individus, euh, ça se passe pas comme ça, et euh, on ne brûle pas tous les aliments que l'on consomme. Et ici, avec ce travail, on a démontré que 25% en fait des calories en moins comparé à ce qu'on peut lire sur euh, sur le packaging. Et donc, et plus on transforme l'amande, et donc plus comme ce que je vous expliquais. Donc ça, ça, ça va en accord avec nos résultats in vitro. Et une vivo également, plus euh, la, la quantité de, de calories est, est augmentée, qu'on obtient, qu'on arrive à extraire de l'amande. Donc plus on transforme l'aliment, plus elle aura un apport calorifique pour l'amande. Pour d'autres végétaux, c'est encore une autre histoire. Donc qu'est-ce que ça veut dire, ça, d'un point de vue des conséquences euh, physiologiques Et euh, quelques conclusions. Donc j'ai déjà touché un petit peu à, à ça. En fait, la structure de la paroi cellulaire a des conséquences donc, sur la bio accessibilité des nutriments et leur digestibilité, donc leur apport énergétique. Et ça, ça ne peut pas être prédit juste en regardant la composition seule en fibres ou la composition nutritionnelle. Donc il est nécessaire de faire des analyses un petit peu plus complémentaires, et en particulier le travail in vitro, et on a montré pour la moindre, ça marche très bien, euh, de, de, pour comprendre les mécanismes. Que, en fait, euh, voilà, il faut utiliser des, des méthodes un peu plus euh, poussées pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Et lorsque le degré, donc on a démontré de la complexité de l'aliment et en particulier de l'amande, augmente, la vitesse et l'étendue de la digestion diminuent. Et une proportion euh, importante de lipides est restée encapsulée dans ces amandes, même euh, après la phase intestinale. Et ça, ça a été vu in vitro et in vivo. Une libération lente d'énergie est susceptible, en fait, d'avoir des bénéfices euh, pour, pour les individus et pour créer en particulier une sensation de satiété. Et euh, la structure de l'aliment et le degré de transformation appliqué à celui-ci peut avoir aussi, donc euh, ça, ça se joint, euh, des, euh, sont importants en particulier pour le contrôle de l'appétit. Donc, en fonction de, de la population, ça peut être important donc, de vouloir maintenir ces structures euh, de la matrice et et de l'amande. Donc voilà, je n'ai pas fait ce travail tout seul, donc euh, je voudrais euh, remercier tous les collaborateurs qui ont participé, et je vous remercie, vous, pour votre attention. Donc je vous ai montré euh, les métabolismes, pardon, euh, donc les mécanismes qui régissent donc, euh, la libération, la digestion des, des, des lipides euh, chez l'amande, et maintenant, docteur Cocoul euh, va vous montrer chez le patient, les résultats. Alors, les amandes, vous savez toutes et tous que c'est des mines de vitamines et de nutriments. Alors ça, c'est ce qu'on va vanter auprès de nos patients. Euh, source de protéines, vous savez qu'actuellement, on est en train de basculer de modèle alimentaire parce qu'on mange trop de protéines animales et il faut absolument augmenter notre part de protéines végétales. Or, beaucoup de patients ignorent que les amandes sont une source énorme, euh, du moins significative en tout cas de protéines. Alors des protéines sur 100 grammes, vous avez 21 grammes de protéines, soit sur une portion recommandée de 23 amandes, 30 grammes à peu près, donc c'est une grosse poignée. Donc vous avez 6 grammes de protéines. Donc ça peut être un apport substantiel chez certains de nos patients qui hésitent à, ou qui quittent la viande et sans trop savoir ce vers quoi ils doivent aller comme modèle. Vous avez des lipides. Alors c'est vrai, on va revenir sur les lipides. 50 de lipides, donc surtout des oméga 9. Donc c'est des acides gras monoinsaturés. Et dans notre alimentation, on doit avoir 50 d'apport en acides gras monoinsaturés. Les polyinsaturés, qui sont, euh, sont, plus rares dans les amandes. Donc les oméga 3, par exemple, il y en a quasiment pas. Les glucides, c'est un apport de glucides mais faible, 10% simplement. Donc, sur une portion de 30 grammes, ça vous fait 3 grammes de glucides, dont les sucres euh, qu'on peut, qu peut dire d'assimilation rapide, qui sont vraiment d'une portion extrêmement ténue. Par contre, les fibres, ça c'est un apport intéressant également, 4 grammes, on va y revenir. La vitamine E, vitamine B2, la riboflavine, qui sont également un peu représentés, le magnésium. Euh, vous avez le potassium également, comme euh, euh, on recommande actuellement de quitter notre alimentation qui est trop salée pour aller vers des aliments qui, qui apportent plus de potassium pour avoir un pH qui soit euh, plus basique. On a un pH trop acide actuellement, ce qui démyérisse. Donc, on a intérêt à prendre des produits riches en potassium, phosphore, calcium et fer. Alors. 50 je vous disais, de lipides sont représentés euh, avec euh, des oméga 9. Donc, il y a très peu de graisses saturées. Euh, il y a peu d'acides gras insaturés dont je vous parlais. Et évidemment, il n'y a pas de cholestérol parce qu'on est dans les phytostérols, c'est les cholestérols d'origine végétale, donc on appelle ça les phytostérols. Donc, ça n'a rien à voir avec le cholestérol euh, qu'on retrouve dans les, euh, les protéines d'origine animale. Euh, poignée d'amandes, ça vous apporte 10 grammes d'oméga 9. Versus les recommandations 30 à 40 grammes par jour. Donc, ça va être utile en prévention des maladies cardiovasculaires, on va y revenir, et chez le patient dyslipidémique riche en vitamine E, donc les antioxydants, vous savez qu'actuellement, on on, il faut promouvoir ça, parce qu'il y a beaucoup de, de personnes qui sont avec euh, ce qu'on peut dire, entre guillemets, des calories vides. J'aime pas cette expression, parce que je trouve qu'il n'y a pas de calories vides. Mais euh, en tout cas, il y a des aliments qui sont très dépourvus euh, de ça. Ben, rien ne remplace les produits naturels, bien évidemment, au niveau de l'assimilation. On vient d'en parler, parce que c'est extrêmement important. Euh, un produit manufacturé ne va pas apporter la même chose qu'un produit naturel dans notre corps. Donc, puissant antioxydant, la vitamine E, euh, qui diminue la péroxydation du cholestérol LDL. Riche en protéines végétales, je vous en ai parlé, soit 20% des protéines végétales de la journée. Et source de fibres, vous savez qu'on est à euh, recommandation, c'est 30 grammes de fibres à peu près par jour pour la population. On est à 20 grammes, donc on est vraiment très carencé. Les fibres, je rappelle, c'est un moyen de lutte contre le cancer du côlon, qui est quand même l'un des cancers dominants. Et également, il y a d'autres euh, études qui montrent que ça peut avoir un effet bénéfique sur le cancer du sein. Également. Donc la constipation, qui est l'un des problèmes, vous savez, avec le syndrome du côlon irritable. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui supportent plus ou moins les fibres. Il faut savoir les écouter, mais en tout cas, euh, on reviendra sur cette notion de mastication, parce qu'une fibre bien mastiquée est beaucoup mieux digérée qu'une fibre qui est néon mastiquée. Très bonne source de minéraux, le magnésium, vous voyez que c'est très intéressant parce que les femmes sont déficitaires pour 25% d'entre elles. Potassium, je vous en ai parlé, phosphore, calcium, une des sources d'apport de calcique, mais ça ne euh, dédouane pas du fait de prendre quand même des eaux riches en calcium, même l'eau du robinet, hein, vous savez qu'elle est, qu est riche en calcium. Si votre machine est entartrée, c'est qu'elle est bourrée de, de, de. Votre eau est bourrée de calcium. Et euh, les produits étiers. Bon, sinon, tous les. Euh, le fer, le zinc, etc., le cuivre, etc., qui sont très intéressants. La vitamine B2, euh, j'en reviens, la riboflavine, parce que c'est euh, très important pour l'oxydation en fait des glucides, des lipides, des protéines, cette vitamine. Et euh, donc, on a tout intérêt à être optimal là-dessus. Alors, une simple poignée de 23 amandes, donc on récapitule Oméga 9, vitamine anti-E, euh, antioxydante, les protéines, les fibres magnésium, phosphore, potassium, calcium, les oligoléments, les vitamines dont on vient de parler. Je passe rapidement. Donc, c'est une source d'énergie. Il y a une forte densité nutritionnelle, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, c'est un concentré vraiment, vitamines, minéraux euh, et, euh, et euh, les nutriments essentiels, les macronutriments. Donc, à la différence des calories vides, euh, à libération durable il y a peu de sucre simple et il y a un index glycémique bas, on va y revenir à cause de la présence des fibres et le rassasiement qui est extrêmement important qu'on doit rechercher chez nos, chez nos patients parce que c'est ça qui expose en fait au grignotage, le fait que les patients ne soient pas suffisamment rassasiés, c'est ça qui va les inciter à multiplier les prises alimentaires et même si les prises sont fractionnées en petites quantités au, au fil du temps, ils vont devenir quand même hyperphages. Alors on parlait, en introduction, euh, Nathalie Richard en parlaient, c'était euh, les euh, 25 ans quand même de recherche qui sont derrière, et donc avec des publications multiples sur tous ces domaines, et ça se multiplie encore, les, les productions sur les amendes. Et vous avez des études, on va y revenir, des études qui sont très intéressantes, qui font, euh, qui, euh, font appel aux amendes. Lors les dyslipidémies, par exemple, vous savez qu'on a trop de mauvais cholestérol, bon, euh, passé un certain âge, et il y a surtout un défaut de bon cholestérol, le HDL cholestérol qui peut poser des problèmes. Normalement, c'est au-delà de 0,50 chez les femmes et 0,40 chez, euh, chez les hommes. Et il y a un risque augmenté de maladies cardiovasculaires. C'est 25% de la population adulte qui est concernée par ça. Les recommandations, évidemment, c'est de diminuer nos graisses saturées avec l'alimentation, surtout manufacturée, ultra transformée que nous connaissons actuellement. Euh, privilégier les oméga 9, les oméga 9, donc euh, euh, ce que vous retrouvez dans l'huile d'olive, donc euh, c'est intéressant parce qu'on va retrouver des similitudes aussi avec le régime méditerranéen et les oméga 3, il faut les privilégier également. Prévoir des phytostérols et manger. Alors il y a un régime, c'est le portfolio. Portfolio, ça a été dans le début des années 2000. C'est David Jenkins. David Jenkins, pour euh, certains peuvent se rappeler, c'est lui qui est le père de l'index glycémique. Et euh, David Jenkins, donc a fait des études avec le régime portfolio. Où il a montré quand même que vous avez 18% de diminution du risque de maladie cardiovasculaire sur 10 ans en introduisant en fait des amendes, donc avec cette portion à peu près de 30 grammes dans l'étude. Donc c'est extrêmement pertinent. Et donc ça ne dédouane pas certains patients de prendre des statines, parce que parfois on a des patients dyslipidémiques qui ont besoin de statines en fonction de leur risque avéré. Mais ça peut retarder l'entrée dans les statines, ce qui est toujours intéressant. Vous savez que les statines, quand même, ça augmente le risque de diabète, ça augmente le risque de, de dégénérescence neuronale, etc. Donc, parfois, pour certains patients, on a tout intérêt à retarder l'entrée de, des statines et euh, bah, les, euh, les amendes peuvent participer à ça. Euh, vous avez un autre, une autre étude, d'ailleurs, Predimed, une étude qui a été faite en, On a fêté les 10 ans de Predimed, c'était une étude espagnole, et à laquelle on rajoutait, il y avait un bras dans lequel on rajoutait, en fait, des fruits à coque, dont les amandes, et qui également a montré, un petit peu, ensuite de l'étude de Lyon, on est à Lyon, il y avait la Lion Heart Study il y a plusieurs années, et en prévention primaire, des gens qui avaient moins de risques de maladies cardiovasculaires grâce à ce régime méditerranéen, Enrichi en fait de fruits à coque, en particulier les amandes. Donc il y a une corrélation entre les quantités d'amandes et l'abaissement du LDL cholestérol. Euh, par conséquent, nous on peut, on doit inclure, moi je dis même inclure autant que faire se peut, euh, 30 grammes d'amandes par jour. Alors ça c'est les propositions au petit déjeuner. Bon on va passer rapidement parce que vous connaissez mieux que moi certainement pour ceux et celles qui sont dans la salle. Donc ça vous fait des idées. Bon, les, euh, les protéines qui sont facultatives au dîner, ça dépend un petit peu des individus, hein, parce que euh, parfois il en faut. Alors, les 23 amandes qu'on recommande, c'est-à-dire les 30 grammes, peuvent être prises en une fois ou en plusieurs fois, ça dépend un petit peu des, des patients. Euh, moi, j'ai des patients qui ont été opérés de la chirurgie de l'obésité, par exemple. Évidemment, on ne va pas leur faire prendre une poignée d'amandes comme ça en un seul coup. Ils sont obligés de fractionner, c'est tout à fait logique. Leur nutrition et diabète Là, on doit éviter. On est dans une société qui doit éviter les sucres, euh, le saccharose en particulier. Vous savez qu'on est euh, on est à 100 grammes à peu près par jour, donc la consommation de sucre a complètement explosé dans notre alimentation, surtout le sucre caché avec le high fructose corn syrup, le sirop de glucose-fructose, qui a envahi les États-Unis d'abord, puis avant de nous envahir. Et il faut éviter les sucres à index glycémique rapide. Privilégier les aliments à index glycémique bas. Bon, enrichir les repas avec les légumes et les autres aliments riches en fibres, les légumineuses aussi privilégier les bonnes graisses et les antioxydants, éviter la prise de poids. Bon, tout le monde est convaincu là-dessus. Les qualités des amandes qui peuvent aider à ça, c'est qu'elles ont peu de sucre simple, beaucoup de fibres, riches en oméga-9 et riches en antioxydants. Donc, ce qui confirme la réduction de la glycémie post on en parlait précédemment avec Myriam, si les amandes avec réduction significative de l'hémoglobine liquée au bout de trois mois... Donc, en cas d'intolérance au glucose, on observe également les mêmes avantages avec les, les amandes. Et chez les patients non diabétiques, il y a une moindre élévation du pic glycémique, c'est-à-dire qu'il y a un lissage de la glycémie qui s'opère sur la journée, grâce en particulier aux fibres. Et euh, c'est une participation probable des oméga-9 également. Alors, ça, c'est les propositions de, de repas. Je passe rapidement également. Je pense qu'il y a possibilité d'avoir les, les diapos, hein, si, euh, en tout cas sur les menus, si vous le souhaitez. Hein. Nutrition et surpoids. Alors, les recommandations nutritionnelles. On doit avoir des aliments qui nous rassasient pour éviter le grignotage sucré entre les repas. On a beaucoup de patients en fait qui sont euh, avec ce problème de multiplication des prises alimentaires. Et depuis le confinement, on assiste un petit peu à ça, c'est-à-dire qu'il y a des, des structurations de plus en plus des horaires de prises alimentaires actuellement qui ont lieu. Alors qu'avant, on avait des modèles quand même qui étaient très arc-boutés sur les prises alimentaires à des heures précises. Et actuellement, on observe sur certaines études qui ont été faites par le Crédoc, que euh, il y a, euh, par exemple le soir, il y a un étalement fait des prises alimentaires, où les gens qui mangent de plus en plus de façon solitaire euh, avec leur ordinateur, euh, le téléphone portable, etc. Augmenter l'apport de protéines, contrôler les graisses saturées et le sucre, pas de régime trop restrictif. Vous aviez une communication juste avant de Jean-Philippe sermati qui insiste lourdement là-dessus. Donc les régimes sont des échecs, on le sait très bien, c'est-à-dire c'est pourvoyeur de troubles du comportement alimentaire, parce que votre système de récompense est complètement perturbé par cette restriction cognitive. Donc il faut éviter ça, la frustration, parce que ça va modifier votre métabolisme de base, et on sait très bien que petit à petit, il y a une évaluation du poids qui s'opère. Donc il faut que l'alimentation soit variée, équilibrée, et si possible, le moins transformée possible. Alors, la consommation de 30 grammes d'amandes, ça augmente le sentiment de rassasiement et au final, n'augmente pas l'apport calorique. Les gens sont terrorisés. Moi, j'ai beaucoup de patients, non, je ne vais pas prendre des amandes, c'est trop gras, etc. Non, euh, parce que je leur dis, c'est pas parce que c'est gras, et on va y revenir, que vous allez prendre du poids, ça n'a rien à voir. Donc, euh, simplement, vous allez être rassasié parce qu'il va falloir métaboliser ces amandes et à ce moment-là, vous allez durer plus, euh, plus longtemps entre deux repas avec une diminution de la prise alimentaire. Prendial également, c'est-à-dire pendant le repas, on va manger moins en volume. Donc, manger des amandes n'a pas fait prendre de poids. Il y a des études qui ont été faites sur plus de deux mois et qui l'ont constaté. Alors, là, vous avez toujours des propositions pour les gens poids. Voilà, de menu. Bon, je vous laisse, de toute façon, ça, on aura accès. Je vais passer rapidement. Il y a eu des études sur le microbiote, donc ça aurait augmenté, et ce n'est pas étonnant, ça aurait augmenté la diversité du microbiote. Pourquoi Par l'effet des fibres. Les fibres sont importantes, c'est ça qui va nourrir. Vous savez, il y a les prébiotiques, et il y a les probiotiques. Les probiotiques, c'est les bactéries qu'on va apporter de façon extérieure. Donc là, pour l'instant, on donne des probiotiques de façon empirique, parce que pour l'instant, on n'est pas encore dans la nutrition personnalisée, mais qui va arriver bientôt. Mais on a des prébiotiques, et les prébiotiques, ça va être les fibres. Alors, il y a l'inuline, la chicorée, etc., les brocolis, etc. Donc, les aliments riches en fibres. Et donc, les amandes aussi sont pourvoyeurs en fait, d'enrichissement d'éléments de, de, nutritifs pour, pour nos bactéries qui sont malmenées par notre alimentation et par le, la pollution, etc. Alors, on, juste avant, on, on a eu euh, cette discussion avec Myriam Grudy sur, les, sur la bioaccessibilité et la biodisponibilité des aliments. Ça, c'est fondamental. Parce qu'à composition égale, deux aliments avec des structures physiques différentes n'auront pas le même potentiel santé. Ça, on insiste là-dessus. Donc, ça va dépendre de quoi. Moi, il y a quelques années, j'avais fait un bouquin sur la mastication. Et euh, la mastication en particulier, j'avais parlé de la mastication des amandes également. Donc, l'étape de digestion essentielle se passe dans la bouche. Ça paraît évident. L'étape de première digestion, c'est la bouche. Or, bon nombre de nos patients ont un état dentaire absolument déplorable faut interroger nos patients sur l'état dentaire et vous serez surpris. Moi, de temps en temps, c'est des catastrophes. J'ai eu des patients, par exemple, qui me disaient oui, j'ai un appareil dentaire et j'ai eu une surprise. Une patiente qui avait fait de la chirurgie de l'obésité, je lui disais il faut bien mâcher. Juste avant, je leur fais, je les montre aux dentistes, etc. Résultat, elle s'est retrouvée avec un bézoar, c'est à dire elle a tout coincé dans son ésophage. Je lui dis mais qu'est ce qui s'est passé? Qu'est ce que vous avez fait, etc. Elle me dit bah, je ne supporte pas mon appareil, je ne le mets pas quand je mange. Donc, en fait, elle faisait des bouchées énormes, évidemment. Donc, la question maintenant que je dis à mes patients, est-ce que vous supportez votre appareil ben Oui, docteur, j'ai un appareil, je le mets. Oui, oui mais à table, est-ce que vous le mettez J'insiste jusqu'au bout, parce que parfois, vous avez des surprises. Donc, il faut vraiment interroger nos patients là-dessus. Et l'effet matrice, ça veut dire que deux aliments de composition identique, on en a parlé avec miriam Gaudier, avec deux structures différentes, n'ont pas les mêmes effets sur la santé. Les calories ne sont pas interchangeables, ça veut dire qu'une calorie d'un aliment A n'est pas égale à une calorie d'un aliment B à valeur calorique qui est égale. Tout dépend de l'environnement matriciel, c'est l'effet matrice qui est très important, c'est pas matrix, hein, c'est matrice. Alors la matrice influe sur la satiété, donc le degré de mastication, soit la matrice est solide, semi-liquide, visqueuse, liquide, friable ou molle. Donc la vitesse des nutriments évidemment ne va pas être la même leur utilisation métabolique va pas être la même et la, la vitesse de transit digestif ne va pas être le même. Comme je dis à mes patients, il y a des pommiers dans la nature, il n'y a pas des arbres à jus de pomme. Vous voyez, c'est toute la différence. La valeur égale, vous avez une pomme et un jus de pomme, la valeur calorique est identique, mais le traitement, évidemment, n'est pas le même. Donc là, bah, si vous prenez des amandes, l'amande entière, elle va être beaucoup plus rassasiante. Et vous allez plus, vous allez la mastiquer et plus vous allez Commencer à faire ce travail de digestion qu'on qu a signalé juste avant. Donc, ça va libérer moins de lipides dans le sang et ça fait plus lentement que l'allemande finement broyé. Donc, les amandes en synthèse, bah, euh, oui, je, je, je vais vanter les mérites des amendes, mais j'y crois. J'y crois depuis longtemps, donc ça fait une dizaine d'années déjà que je suis complètement persuadé qu'il nous faut des fruits à coque dans notre alimentation et qu'il faut réhabiliter ça. Donc vous voyez d'ailleurs de plus en plus maintenant d'offres en vrac, etc., qui sont proposées et qui sont très utiles. Il faut s'éloigner des produits manufacturés, donc les produits qui sont enrichis en éléments qui ne sont pas très intéressants. Et ça va être très intéressant en cas de problème de santé, le surpoids. L'obésité, vous savez que l'obésité flambe et continue de flamber, on n'est pas près de régresser, on est à 50% de la population française qui est en surpoids ou en obésité. Donc 17% d'obèses et le reste c'est du surpoids, on arrive à 50% de la population française, un patient sur deux. Donc c'est énorme. Et, euh, et l'obésité étant multifactorielle, et je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux, déjà c'est dire aux patients, ben, il faut mastiquer, il faut s'asseoir pour manger, il faut prendre son temps. Et il faut introduire des éléments nutri nutritifs extrêmement intéressants, pourvoyeurs d'antioxydants, pourvoyeurs de vitamines, de minéraux et de protéines, comme sont les amandes. Alors il y a des publications à venir. Là, vous avez une, euh, pas mal d'études qui sortent euh, pour la, la, les deux prochaines années. Du moins, c'est euh, 2022 et bien entamé, mais c'est 2023, et etc. Santé mentale, bien-être, immunité, pré-diabète pré en Inde rurale. Vous voyez, vous avez la cognition euh, également parmi les adultes prédiabétiques, la santé digestive, le microbiote dont on a parlé, la santé de la peau. Bah, en fait, les différents systèmes de microbiote. Hein. Vous avez le microbiote cutané, euh, euh, le contrôle du poids et l'exercice physique euh, avec les douleurs musculaires et, et la récupération qu'on peut avoir grâce aux antioxydants en particulier. Voilà. Je vous remercie. J'étais un petit peu euh, rapide, hein, je pense. <rire> <laughs>